Et pourtant, vous êtes tenu de répondre. Vous n'êtes pas un accusé. Participe, vous êtes tenu de répondre. Est-ce que vous pouvez confirmer ou infirmer avoir tenté de vous constituer partie civile dans ce dossier? Arrêtez-moi, Faladé. Alors, Yon a dit, il catarne, il a fini. Partie civile. Partie la togatoira il fait quoi? Merci maître. Hein? Non, attends, je vais répondre dans ça. Comme ton maître Keita m'a tenté pour me tuer, c'est ça qui m'a poussé. S'il n'a pas fait ça, je te le jure, je ne vais pas venir ici. Mais comme il a tenté, comme il avait tenté pour me tuer, et puis il a voulu ça, je ne peux pas. Bon, c'est je, comme... Je vais mourir quand même, avant tout ça. Moi, je voulais dire que je suis en train de me faire. Donc, c'est le fait que Maître Keita a tenté de me tuer pour que j'accuse quelqu'un. Et je ne peux pas accuser quelqu'un. C'est à cause de ça que je me suis constitué partie civile. Voilà. Et puis, moi, j'ai encore 700 000. Donc, il est d'accord avec moi, puisque ça n'a pas marché de ce côté, de se constituer partie civile, c'est pourquoi il s'est invité dans la case des témoins. Nanara, ito kata la tege fe moulan, avalve la tege soro, inakaba, inaka fin di témoin fanna. Attendez, vous-même, itanana wenfim beg, egrine yagon. Attendez, téléphone à haut-parleur ma. Vous-même qui parlez devant moi comme ça, on vous a appelé devant moi, le téléphone était sur haut-parleur. Voilà, Maître Pépé, il n'est pas venu, avec Maître Adina Sampé, il n'est pas venu. Dina Nawara. Parce qu'il me connaît, parce qu'après avoir défendu un dossier de la fonction publique, parce que comme il me connaît, comme Dadis Anoukego, comme il te va comprendre que moi je suis vivant, il va donner un chemin à Bétera pour que je vais accuser quelqu'un, il va couvrir mon souvenir. Non! Donc, mon Abama, il peut pas faire ça. Avec Maître Pépé, ils ont passé par ce dernier. Comme ils savent que je suis vivant, ils passaient par moi pour accuser quelqu'un. Ça, je refuse, je ne le ferai pas. Est-ce que vous vous souvenez également avoir tenté de vous ranger dans le groupe de la défense contre la partie civile à travers un confrère dont je me réserve de taire le nom? Maître, est-ce qu'il se souvient? Attendez. Non, maître, Into, demandez à tout le monde, moulez Falama. Quand moi j'ai fait ça, une femme n'a pas la devant tout le monde. Non, mais ouais, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait ça. Moi, je ne mens pas. Quand je fais quelque chose, je viens devant tout le monde pour dire c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait ça. Ali le gars mon sur un réseau kuinu et mon sur un manga spirin kuinu. Non courage mon entamer, nous t'amangas tibé avec le bar là, manga sur notre tête kuinu. Mais comme il l'a fait devant moi et puis même pour l'associé et puis le président, il m'a donné beaucoup d'argent, je m'en bats quand même. Mais en affaire, on parle au bébé gâté. Mais là moi et manga couvri, manga manga sur ça il a l'autre là yara. Non, on fait comment est et puis. Mon père s'appelle Almam Samoul Touré. Je suis le descendant d'Almam Samoul Touré. Avant tout ça, moi je ne mens pas. Voilà. Si ceci ne m'avait pas associé dans leur chose, je n'allais pas avoir le courage de venir ici, m'arrêter et parler. Je suis un fils de Almam Samoul Touré. Mon père s'appelle Samoul Touré. Ce n'est pas ma question. Je pose ma question, elle est très simple. Je répète encore ce que le ministère public avait dit. Les questions sont simples. Posez, répondez simplement. Est-ce qu'il se souvient, avoir tenté de se ranger du côté de la défense à travers un confrère pour faire face à la partie civile? Arrête, colon. Ouane non irasa défense d'era parti civil contre B idangi avocat de mabé amuna ko. Ou alors est-ce qu'il se souvient une fois avoir dit à un confrère ici, je veux me mettre de votre côté pour vous aider contre la partie civile?
De me faire rentrer dans le groupe pour venir ici, pour venir mentir. Dis la vérité, Maître Keta. Vous savez, je ne suis pas Maître Keta, mais si je le serais, je sais comment j'allais me comporter. Vous mettez beaucoup de choses sur lui. J'ai produit hier au dossier de la procédure un jugement de condamnation contre vous. Oui, ça vous fait rire, mais ce n'est pas une invention. Maître, je n'ai pas compris la question. Ce jugement-là, vous dites que c'est Keta qui a fabriqué ça. Parce que vous n'aviez pas accepté ce qu'il vous a demandé. Vous confirmez? Keta n'a kiti khabouri. Bon, maître, attendez, je vais vous aider. Quelqu'un qui va payer 100 millions, où est le reçu que j'ai payé les 100 millions? Il n'a qu'à demander le reçu. Il ment. Les 100 millions? Non. Ah, parce que Ira Wembe, je dois 100 millions. Mais où est le reçu que j'ai payé les 100 millions? C'est pas ma question. Non, je ne réponds pas. Ah, vous devez répondre. Voilà. Pourtant, vous devez répondre. Vous avez fait des déclarations, des affirmations, et je vous pose des questions par rapport à ces affirmations. Moi, je vous interroge pour que le tribunal vous connaisse très bien, avant de revenir sur vos propos. Vous aviez déclaré ici que c'est Keta qui a fabriqué le jugement que j'ai produit au débat, oui. Qui vous condamne. S'il vous plaît, maître. Oui. Je ne sais pas si le tribunal a bien écouté la réponse donnée par le témoin, mais parlant de maître Keta, si j'ai bien entendu, il dit qu'il ment. Je ne sais pas si le tribunal a été attentif. On voudrait bien lui demander d'avoir du respect pour tout le monde ici, qu'il n'utilise pas des expressions comme ça à l'égard des professionnels que nous sommes. Merci, Monsieur le Président. Est-ce qu'il l'a dit à l'encontre de Maître Keta, c'est ça? Est-ce que vous l'avez dit à l'encontre de Maître Keta? Ah, il a fallu que Maître Keta compte. Pour dire qu'il ment. Est-ce que c'était à l'endroit de Maître Keta? Il faut le Maître Keta Nambé. Ouais, il est là. Il connaît plus. Il est là. D'accord. C'est mon avocat. S'il vous plaît. C'est des termes qui ne se disent pas ici. Bah, voyez, il n'a rien à bouffer. Je me retire. Voilà, excusez-moi. Vous pouvez dire que ce qu'il a dit n'est pas la vérité. Dire comme ça. Pas de problème. Voilà. Pas de problème, monsieur le président. Je me retire dans ça. Excusez-moi. Continuez, maître. Le président, le jugement que j'ai produit, ce n'est pas une déclaration de maître Keta. Ce n'est pas maître Keta qui me l'a produit. C'est venu de l'avocat qui a plaidé contre vous, qui n'est pas maître Béa. Et maître, qui est maître Béa, qui n'est pas maître Keta. Donc arrêtez de vous en prendre à maître Keta, qui est d'ailleurs très sage. Moi, je ne veux pas avoir cette sagesse. Allez-y avec les questions. Voilà. Le jugement. Ouais, maître. Pour lequel vous accusez maître Keta. Vous dites que c'est à cause du fait que maître Keta, vous n'avez pas, disons, accepter la proposition de Maître Keta qu'on a fabriqué ce jugement-là contre vous. Est-ce que vous maintenez cette affirmation? Maître Keta, il te moutine fera
Monsieur le Président, à Falabé, on va faire 28 septembre. Laissez le problème de la fonction publique avec d'ici. Je ne réponds pas. Si c'est l'affaire de la 28 septembre, je suis prêt maintenant pour te répondre. Mais si c'est une autre personne là, je ne réponds pas. Voilà. Ce n'est pas à vous de choisir les questions que je dois poser ici. Ah, je ne me réponds pas. Moi, je pose des questions parce que vous aviez incriminé même la défense du capitaine Moussa Dadis Camara d'avoir transporté une enveloppe à travers Maître Keita. C'est pourquoi j'insiste et je vais rester là. Vous n'allez pas m'obliger à quitter là. Je vous poserai des questions par rapport à ça. Merci, c'est ça voilà. Que je veux. Merci, c'est l'affaire de la fonction publique. Je vais pas. Parler de ça. Non, je ne réponds pas là pour la fonction publique. Je ne réponds pas. Vous dites... Allez-y avec la question. Maître. Merci, monsieur le président. Vous dites... Ouais, maître. Que c'est parce que vous avez refusé la proposition de Maître Keita que ce faux jugement-là a été fabriqué contre vous. Aïnara, et tout mouting, Maître Keita, ou Fira, aïké du Kobiya, l'andi contre Naram. La proposition de Maître Keita de ne pas témoigner ici. Ah, Maître Keita, tout à Falebe, alakouina, facile, n'y a babi, à tout mouting, nara, aïké du Kobiya, l'andi Naram. La proposition de recevoir, je ne sais, 500 ou 700 millions. Selon vous, c'est parce que vous avez refusé ce montant qu'on a fabriqué ce jugement contre vous. Ça, ça a un lien avec les faits. Hein? Est-ce que vous maintenez cette affirmation? Mais ce n'est pas lié. L'affaire de la fonction publique, c'est l'affaire de la fonction publique. Si c'est l'affaire de la fonction publique, on a fait un. Mais ici, c'est l'affaire de la 28 septembre. Alors, c'est ça que je l'ai l'esprit. Si mais c'est papier, je ne réponds pas. Hein. L'affaire de la fonction publique, c'est la fonction publique. Ce que M. Keita m'a fait, c'est ce que j'ai expliqué ici. Lors de votre passage ici, vous avez pris tout votre temps pour raconter de 2007 jusqu'à nos jours. Donc, ce n'est pas à lui de me limiter sur les points sur lesquels je dois intervenir. Bien. Je passe. Le tribunal a compris votre réticence à faire face à cette question. Est-ce que vous savez que le jugement de condamnation à votre égard, jugement pour lequel vous accusez Maître Keita d'avoir fabriqué parce que... vous avez refusé de faire face à sa réclamation, à sa demande. Ce jugement est même antérieur, c'est-à-dire est venu bien avant sa constitution dans le dossier des événements du 28 septembre. Arrête, Colomb. Ikedi Naramma, Kiti Kedi Naramma, Fafala, Atalana Kabouri, Ba, Itomut Timfera, Anaran Yanigebe, Aluna Kouabirfi, Arrête, Colomb, Kedi Fouri. Maître qui est à bien sauver qui est à l'équipe afin de faire à vos carabines. Maître, on va 28 septembre à problème. Laissez tomber l'affaire de la fonction publique. Ça ne m'intéresse pas. Si c'est l'affaire de la 28 septembre, il n'est pas posé. Le tribunal doit vous connaître. Ah, je ne prends pas. Maître, revenons sur l'affaire de 28 septembre. Laissons le problème de la fonction publique. Si c'est le 28 septembre, si vous me posez ça, je vais vous répondre. Je continue. Le tribunal doit vous connaître et je vais poser des questions par rapport à ça. Vous connaissez un certain Ibrahima Sori Soare, qui était un moment le commandant adjoint de la brigade de gendarmerie de Madine, qui est juste derrière le marché Niger. Ah, Nalana, commandant de brigade de la gendarmerie, Nalana, marché Niger, Khambira. Non. Vous vous souvenez de votre séjour dans le lieu de garde à vue de cette brigade-là? Et il t'a dit, garde à vue, mais une brigade, il y a un colon. Il y a tout là-bas. Non. Alors, venez là, vous souvenez de l'origine de la cicatrice que vous portez? Il envoyait, il fallait venir me le comprendre. La cicatrice, il y a un colon, il y a un colon, il y a un colon, il y a un colon. Vous souvenez? Quand on vous a enfermé là, vous vous êtes cogné la tête
blessé avant d'être déféré au parquet du tribunal de Kaloum, vous vous souvenez? Et puis sa mère, il n'a pas connu ding, il n'a pas connu mon connard, il n'est pas dans le parquet Kaloum. Je ne réponds pas.